se retrouve pour un nouveau challenge. Alors c'est un challenge qui s'appelle le Twin Telepathy Slime Challenge. Alors je sais pas si vous connaissez les amis, c'est un nom un peu compliqué, ça vient des États-Unis. Et en quoi est-ce que ça consiste? Est-ce que tu peux expliquer, Corentin? Alors on va chacun faire un slime comme on veut. Et si on a fait le même, ça veut dire qu'on est pareil. Si on a fait vraiment pas le même, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas pareil. Et si on a fait presque le même, et ben c'est presque pareil. Oui. Alors les amis, je sais pas si vous avez compris. Donc en fait, on va voir si Corentin et Océane sont un peu comme des jumeaux. Voilà, un peu identique. Donc pour faire ce challenge, en fait, on a mis une petite séparation au milieu qui va servir à quoi? À pas voir ce que l'autre y fait, parce que sinon on triche. Voilà, c'est ça. Alors de chaque côté, bien sûr, des enfants, il y aura exactement les mêmes ingrédients. Oui. Sauf pour la colle. Oui. Donc la colle, je leur donnerai chacun leur tour les deux colles. Voilà. Voilà, comme ça, parce que j'en avais plus en stock, désolée. Et pour les couleurs, en fait, les colorants, c'est pareil, je leur donnerai chacun leur tour les trois colorants qu'il y a sur la table. Oui, parce qu'on n'a pas les mêmes colorants. Voilà, parce qu'en fait, j'avais pas prévu de faire un challenge comme ça, il faut tout en double. Mais bon, pour le reste, c'est tout en double. Est-ce que vous pouvez présenter les ingrédients? Oui. Oui. Alors, on a des bitons, les sirènes, des petites bits. Voilà. On a les mêmes. On a des éponges. Ah, ça commence bien le challenge. Voilà. Vas-y, en même temps, des éponges. On a des éponges. On a du borax. Ouais, du borax. Oh. Alors, on a plein de pipettes de borax. On a une cuillère et un bol également pour mettre le slime dedans. Et on a quoi aussi? Des paillettes. Des paillettes. Alors, on a quelle couleur en paillettes? On a du violet. Ouais, moi j'ai un peu rose bio, violet. On a du vert clair et on a du bleu turquoise. Alors, pour et moi j'ai du bleu clair et j'ai du doré. Oui, doré, du jaune doré. Du vert, en fait, exactement les mêmes. Ce sont les mêmes couleurs de chaque côté. Oui, tu vois, vert, voilà, tu vois, c'est exactement les mêmes. Alors, en colorant, on aura du. De la poudre. Doré. Voilà, de la poudre. Vert un peu nacré, ouais, et une poudre bleu turquoise très jolie d'ailleurs, j'adore. Alors le principe est simple, à chaque fois je vais vous dire donc de mettre les colles, ensuite de mettre soit le bout de sirène et les éponges, etc. Les paillettes. Ok. Oui. C'est parti. Oui. Alors on va tout débarrasser les amis et c'est parti pour le challenge. C'est parti. Pour la première étape, alors je propose qu'on mette la colle en premier. Bah oui, c'est obligé. Donc par qui on commence pour mettre la colle? On fait Chifoumi. Chifoumi? Non, Océane. Océane? Bon, non, on fait Chifoumi. Ok, bah Chifoumi, allez. Chifoumi. Ah, bah c'est Corentin qui commence, il a eu la feuille. Alors je te donne les deux colles, Loulou. Et tu mets celle que tu voudras. Et Océane, on ne regarde pas. Alors, bien sûr, on ne voit pas à travers les parois. Non, on n'y voit pas. On n'y voit pas. Malheureusement, moi, j'y vois rien. J'y vois. Je pense que ça doit être la constante. Bon, tu peux en mettre bien, hein, Loulou. Hein. Mmh. Tu fais un joli slime un peu. Moi, on va mettre peut-être des trucs dedans. Moi, je pense que c'est transparente. Je crois qu'on est pareil là-dessus. Ok, donc c'est parti. Un tour. À Océane, donc je lui donne les mêmes cols. Tiens ma chérie. Ça sent bon. Tu peux y aller. Ça sent trop bon. Non, Océane n'a pas fait le choix pendant 15 ans. Hein. Ça y est, elle a choisi sa colle. Alors tu peux en mettre une bonne quantité comme ton frère. Donc on va voir ça. Waouh. Vas-y. Vas-y, continue. Moi, je veux boire. Vas-y, tu peux mettre. Je pense que c'est bon. Voilà. Et on a mis toutes les billes par terre. Alors, combien elle en a mis de colle? Je sais absolument rien. Les loulous, on a dû faire un petit peu de ménage parce qu'Océane avait fait tomber toutes les billes de polystyrène sur la table. Elle avait mis la colle dedans. Petite maladroite. Alors, on continue avec les colorants. Donc les voici, ils sont là, donc on a le doré,
le vert nacré et le bleu turquoise qui est nacré aussi. Elles sont vraiment belles ces couleurs. Bah, c'est des poudres nacrées de toute façon. Ouais, c'est super beau. Hein. Alors, bah, vous pouvez nous dire. Ça colore bien. Ça colore super bien d'ailleurs. Et vous pouvez nous dire quelle est votre couleur préférée dans les commentaires. Et pas vous les loulous, parce que vous risqueriez de nous révéler un peu quelle couleur vous allez mettre dans le slime. Ouais. Alors, je pense que c'est Océane qui va continuer, vu que c'est Quentin qui a commencé. Tiens les couleurs, ma chérie. Wow. Alors, tu en mets, mais pas beaucoup, tu sais. Je te dirai stop. Et voilà. Tu tapes un petit peu aux fesses, tu sais. Moi, je te dirai pas stop, parce que je sais même pas combien t'en mets. Alors... Bon, tu peux en mettre encore un petit peu. Encore un peu. Encore un petit peu. Stop, voilà, c'est bon. Un petit peu. Tu peux le refermer. Maintenant, c'est au tour de Corentin de choisir sa couleur. Le choix est difficile, elles sont super belles, hein, les couleurs. Faut faire attention. Bon, je te dirai stop, mon chéri. Tu peux en mettre encore un petit peu si tu veux. Je pense que c'est doré. Peut-être le bleu. Ou peut-être le vert. Voilà, au moins. Vous verrez à la fin de toute manière ce que vous avez mis à l'intérieur. Ok, donc c'est fini pour les couleurs. Tu peux les mettre de côté, loulou. Et à partir de maintenant, vous avez exactement les mêmes ingrédients. Donc moi, je vous propose que vous mélangiez déjà la colle avec la couleur. Bah, ensemble, en même temps. Bah ouais. Vous pouvez tout mélanger comme ça. Oh, c'est beau. Ouais, c'est trop beau. T'as choisi quoi? Et oh. Ah, tu sauras pas. Ouais. Ça y est, c'est fini de remuer. Oui. Alors maintenant, je vous propose de mettre les paillettes à l'intérieur. Donc, vous choisissez une seule couleur sur les trois. Donc, je rappelle qu'il y a du vert, du bleu et du violet. On met tout, hein. Oui, vous pouvez tout mettre, oui. Comme ça, ça fera bien pailleté. Tu veux que je t'aide à l'ouvrir? Ouais, parce que moi je suis mise à ce cas. Ouh, ça est beau. Voici ma chérie. Mais elle n'a plus rien à compléter. J'ai failli tomber. Et voilà, pour commencer, c'est tout l'idée. Et Océane aussi. Et voilà. Maintenant, on peut mélanger. Oh, ça fait beau. C'est trop beau. Oh, ouais, pas mal. Ah, franchement. Alors maintenant que c'est bien touillé, je pense que c'est bien touillé là, non? Non, pas bien. Pas trop. Tu viens prendre sur les bords. De toute manière, on va touiller après avec le borax. Hein. Donc moi, je vous propose de mettre à l'intérieur soit les éponges, soit les billes. Soit les billes. Alors on met pas tout si on met les billes, on met peut-être pas tout si on met les éponges aussi. Donc allez-y, vous mettez comme vous voulez. Mettez-en bien quand même pour que ça fasse un peu squishy. C'est parti. Non plus. On y va pas beaucoup. Hein. Bon vas-y, mets comme tu veux. Fais-en quand même un peu quand même. Là, si tu mets une éponge ou 10 billes, on va pas beaucoup les voir. Non mais regarde, on met un peu. J'ai pas envie qu'il soit trop squishy quand même. Car un slime, ça reste un slime. Voilà, c'est assez pour moi. Bah, et maintenant on peut touiller? Vous pouvez touiller. Ouais, ça fait beau. Ouais, moi je veux en rajouter. Tu veux en rajouter? Non, vas-y, rajoute. Non, moi ça va. Moi ça fait un peu ouais, ça slime fait beau, Noël. Moi. Voilà, princesse. Pas mal aussi. Bon, je sais pas si c'est vraiment princesse, mais bon. Parce que moi, je vois rien. Voilà, j'en ai nettoyé quand même. Ah, moi, j'ai bien hésité. Hein. Ouais, c'est bon, là. Voilà. Maintenant, moi, je vais mettre le borax. Et voilà, bah maintenant tu vas pouvoir mettre le borax en tarte. C'est ça. Oh là là. Combien de pipettes? Je pense que on met tout ça. C'est par 4 déjà. Par 4? 3. Bah voilà, tu m'assures. Regarde.
Non, deux. Ah, joli. Deux. Deux. Moi, je dis trois. Moi aussi, je dis trois. Je dis deux parce que... voilà. Moi, j'en mets trois. Oula. Oups. Aïe. Faut le tourner. Tu tournes et tiens, ça s'arrête tout seul. Voilà, comme moi. Et après, tu tiens un petit peu. Oh, t'as vu? Oui. J'en mets deux points. Trois, je pense que ça suffit. Non, mais j'ai pas envie qu'il soit trop non bon, plus ce coup-ci. Parce que avec les billes... C'est pas grave. Elle est vide. Ouais. Tu peux mélanger. Oui, tu peux mélanger. Regarde, ça suffit de... Non? Ouais, peut-être. Pouf. On a une grosse crotte. Ouais, on dirait une grosse crotte. Oh, il colle. Voilà. Oh, il colle encore un peu. Bah, trempe-le un peu dans le borax, on a encore au fond du sable. Moi, je le trempe mes mains un peu. Ouais, c'est bon. Ah, il est pas mal. Et regardez, il est beau, hein. Waouh. Et moi aussi, regardez. Ça y est, c'est terminé. On peut le montrer. Alors attends, on va tout débarrasser et on va vous montrer ça. Alors attention. Je vais enlever. Fermez les yeux. Ouais, là je les ferme, là je vois absolument rien. Est-ce qu'elle les enlève ou pas? Fermez. Ouais. 3, 2. Ah, vous pouvez ouvrir les yeux. Identique. Attends, toi, t'as mis quoi comme paillette? J'ai mis du vert clair. Moi, j'ai mis du bleu. Tu vois? Moi, j'ai mis des petites paillettes bleues. En fait, voir vos copains un peu vos slimes comme ils sont beaux. Presque identique. On sait, il y a juste les paillettes. Et oui, vous êtes quasiment pareil. Vous avez vu un peu? Ouais, bah au niveau manger, c'est pas le même truc. Hein. Non, au niveau nourriture. Ah, on pourrait faire un truc aussi sur la nourriture, oui. Ah bah, sur la nourriture, Océane, j'aime pas. Alors, tu me fais voir un peu ton slime, Loulou? Il est beau, le mien. Moi, il a la couleur il est magnifique. Moi, vous trouvez pas qu'il a la couleur de la tenue de la flécochette, en fait? Regardez. Peut-être. Parce tu vois, tu montres ton copain plus près? Parce qu'il... Ah, c'est moi qui monte. Alors, voici celui d'Océane. Voilà, il est trop beau. Voilà. Il est pailleté vert. Avec des petites billes dorées. Et on est quasiment... Et pour celui de Corentin, je vais vous le montrer de plus près. Et pour Corentin, c'est un slime doré aussi. Crunchy. Mais lui, avec des paillettes bleues à l'intérieur. Mais en fait, vous avez choisi exactement... les mêmes ingrédients, mis à part, les paillettes. Et même que Corentin, j'ai vu qu'il a hésité à prendre le vert en plus. Ouais. J'ai vu que tu as hésité entre le vert et le bleu. J'ai failli mettre violet, mais après, je me suis dit. Alors, franchement, on peut dire que vous êtes quand même. Un peu identique. Un peu identique au niveau parce du slime. Au niveau du choix des couleurs du slime. Alors, ce serait intéressant de refaire peut-être un challenge comme ça, ou sur la nourriture, ou vous pouvez nous dire où dans les. Commentaires ou sur les déguisements. Ouais, aussi, je sais pas. Mais dites-moi vos idées pour ce twin en fait challenge. Si vous avez d'autres idées sur la nourriture, sur les slimes, sur la peinture, sur 3 makers challenge à l'aveugle. Ah, ça pourrait être sympa aussi un 3 makers challenge en version twin. Je sais pas, bah dites-nous tout dans les commentaires. Aussi, on espère que cette vidéo vous aura plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Nous, on va vous laisser. On vous fait des gros bisous. Gros bisous. Gros et puis, bisous. On vous dit à la prochaine fois. Ciao, les amis. Bisous. Ciao, avec mon gros doigt.